quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun vibre déjà au rythme de la grande fête. L'arrivée des différentes délégations se multiplie au fil des jours et rythme le quotidien des autorités locales. Après l'arrivée de la délégation du Malawi, celle du Sénégal est déjà à l'ouest du pays sur les hautes terres. Les Lions de la Teranga ont atterri à l'aéroport de Bafoussam-Bamogoum en soirée ce mercredi 5 janvier 2022. Peu après 20 heures, une forte délégation qu'accompagne El Hadjiouf. On est sur la dernière cette ligne droite. On est prêt et on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà, et puis un rêve pour la finale. Pourquoi pas au Sénégal qu'est-ce que tu rêves pour la finale? Pourquoi pas au Sénégal Cameroun encore? Hein? Vraiment merci. Permettez-moi d'abord de vous exprimer mon émotion parce que vous avez jugé de vous-même. Le Sénégal est là, Sadio Mané est là. La fête commence enfin à Bafoussam. Quand je vois les équipes avec leurs arrivées, vous avez vu le Sénégal qui a mobilisé deux avions. Ça veut dire que ça exprime leur intention. Je les vois en finale, demi-finale au moins. C'est dans la poule B que Sadio Mané et ses coéquipiers vont évoluer durant la phase de groupe de la CAN. Finaliste de la dernière édition, l'équipe du Sénégal entre dans le tournoi le 10 janvier 2022 contre le Zimbabwe. Ensuite, les hommes d'Alioune Cissé vont affronter le tour à tour la Guinée le 14 et le Malawi le 18. Le Sénégal, logé dans la poule B, est l'une des équipes favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations.